brûle. On se prend un joli plan quand même. Je passe par où? Ah. Ça a l'air de sentir la fin quand même. Je pense que je vais peut-être y arriver. Ils n'ont plus l'air de m'attaquer. Ouais, non. Non, non, j'ai rien dit en fait. Ah. Ouh. Oh oui. Mange des brains. J'arrive pas à croire que le Père Matin ait fait mieux que Jésus-Christ dans le genre mort pourri. J'arrive pas non plus à croire qu'il va me manquer. Une sortie. S'il a dit la vérité, j'ai maintenant moyen de sortir. Et une histoire à raconter. Il veut que je répande son évangile. Là, je vais tout balancer au monde entier. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je comprends pas pourquoi il est pas parti prier avec les autres, celui-là. Et c'est...
C'est le trouble lion, c'est le trouble fête du bordel. Ok. Oui. Oui, l'ascenseur avec la clé, oui, je me rappelle. Ça y est. Ça m'est revenu. Hop là. La sortie! La sortie! Oui! Bye bye! Je me casse! La 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 la. Ah. Alors? Hein? Oh! Comment te dire, Père Martin? C'est pas ce qui était convenu normalement. Rien? Là, je sais pas où je vais là. Trouver une autre sortie. Ah, ils sont rigolos en plus. Bon, allez. De toute façon, il est chaud. Waouh. Je filme ça. Joli. Bon. On a pas fini encore, on est encore parti ailleurs. J'étais à cinquantaine de mètres de la porte. Oula, c'est pas ceci. Satanas. Les oris. Orbital Colossus, un peu aussi. Ah ouais, c'est quand même... Ouais, la Murkoff, d'accord. Là, on a la... Succès déverrouillé. Pas compris ce qu'il y avait écrit, mais j'ai... Ouais, je crois que j'ai... Ah bah ouais, j'ai tous les documents. Vous m'avez promis un jardin. Alors, pourquoi ne réussis-je pas à me rappeler d'où viennent les coupures? Elles sont tellement douloureuses, même après plusieurs jours, le docteur Now Newhouse m'a dit que c'est de ma faute. Que mon subconscient résiste à l'hypnothérapie. J'ai tellement envie d'aller mieux que je ne vois pas pourquoi je m'infligerais une chose pareille.
Le docteur Newhouse dit que c'est une autre caractéristique de mon hystérie due à la chambre. Pauvre Bruce, je le fais tant souffrir. J'ai essayé avec tact de demander à Madame Jackson si elle avait le même genre de problème avec son mari, mais elle répugne à en parler. Son mari a lui aussi trouvé le réconfort auprès d'une femme plus jeune. Je sais que les médecins ne veulent que notre bien et que grâce aux agents gouvernementaux qui ont rejoint le personnel, je ne peux espérer être mieux soigné. Je vais prendre mes pilules et m'endormir en espérant faire des rêves moins désagréables cette nuit. Ok. Ok. Sous la montagne. Au-delà des montagnes embrumées. Merde, fais chier, merde. À celui qui trouvera mon cadavre. Fais confiance à personne et raconte ça à tous. Je ne suis pas dingue, je sais, il n'y a que les cinglés qui disent ça. Et je suis aussi sain d'esprit que peut le permettre ce monde. J'ai une caméra bourrée de preuves. C'est pas un évangile, c'est une parodie de raison pour révéler au monde que c'est la faute de Murkoff. Enterre ses fumiers avec mon cadavre mutilé. Ah, ya, ya. Ok, ok. Ok. Ok, bon. Allez, on y va. Bon alors. Mais hein. Bon appétit. Eh, mais c'est des humains normaux ça. Ah oui, il y avait un mec de l'armée au début là, c'est vrai. Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Publié anonymement en 1818, extrait du chapitre 23. Monsieur, m'écriai-je en dépit de l'orgueil de votre savoir, comme vous êtes ignorant, assez, vous ne savez pas ce que vous dites. Furieux et troublé, je me séparai du magistrat et me retirai aussitôt chez moi pour réfléchir à un autre moyen d'action. Pas qui les a tous niqués, alors on dirait plutôt un alien qui les a niqués d'ailleurs, mais bon. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Bloc A. Ah ouais, là ils y sont pas allés de main morte quoi en fait. Alors, désolé si j'assois votre caméra, mais je filme tout. Je peux porter les preuves au monde. J'ai envie, bien sûr. Projet Wallrider, compte rendu préparatoire post-mortem MM1300921. Tous les documents inclus doivent être transcrits et revus selon les directives des archives de la Murkoff Corp pour voir le formulaire 4083. Rédacteur Jennifer Rowland. Note. Oh, une femme! Ça, c'est la première du jeu. La 14e autopsie d'un patient Wallrider. Il ne présente pas davantage de signes d'acceptation de la thérapie que les précédents. Quelques progrès en matière de migration cellulaire et de morphogénèse, y compris des effets similaires à ceux de l'hormone de croissance humaine. Mais aucune trace de création stable d'un essaim pensant et indépendant. Je suis épuisé, je doute de mon jugement. Merde, je voulais lire la suite de... Voilà. Je doute de mon jugement. Je vais présenter une autre demande de congé. Le coût psychologique du recours à des patients aussi déséquilibrés est incontrôlable, devient trop élevé pour moi.
Je songe à suggérer de s'éloigner des hypothèses échevelées d'un nazi sénile pour employer un moteur mécanique plus simple fondé sur une protéine majeure du sperme. Je vais réclamer une sédation chimique plus intense. La sécurité de Murkoff a tué le patient 921 lors d'une crise, alors qu'on lui avait administré assez de tranquillisants pour endormir une équipe de hockey. Je crains que la thérapie hormonale n'interagisse avec la sédation de matière contre-productive. Bon, on commence à avoir des réponses aux questions. En gros, c'est la Murkoff qui a fait tous ces trucs en douce en sous-sol. Oh! Voilà. Faut tout prendre, faut tout filmer! Oh là, j'ai le reportage du siècle! Sorti! Oh! Sorti! Eh non! Bon. Il nous troll le jeu! Ici c'est vert, là-bas c'est rouge. Oh! Elle est là la sortie! Une route! Il y a des gros 4x4 à blinder! Ah ouais, c'est ça, faut que je fasse. Bon. Ouais, je vais là où c'est vert. Voilà le moteur morphogénique. Quelques formules de maths en algorithme. Il nous reprogramme, il fait de nous des usines à cauchemars. Quelques nombres sur un tableau. On me donne une scie et quelques heures en tête à tête avec le cadavre de Wernicke. J'ai un ou deux trucs à lui faire payer. Re. Commence à avoir les réponses aux questions, mon cher Waze. Ah ah. Je suis dans un laboratoire secret. Voilà, la partie angoisse, je trouve qu'elle a un peu diminué quand même. Quoique, il y a le Wall Rider encore à voir. Sortie. Sortie dans le trou noir là-bas, quoi, bien sûr. Bon, moi, je vais là. Je veux tout savoir maintenant. C'est ça, le Raider. Oh non. Oh, joli. Allez. Go. Maintenant. Hop. C'est comme ça qu'on meurt. Mise en pièce de l'intérieur en regardant sa moelle se répandre sur un mur en béton. A aussi à échapper à un enfer, Chris Walker. Et espère que t'en as pas trouvé un autre putain. On arrive au bout. On y est. Allez. Merde, c'est toujours fermé. Pas vrai. Oh là là là, mais jusqu'au bout ils vont me tenir ici. Je veux juste prendre ces 4x4 et me sauver, c'est tout.
to explain. J'ai ouvert ça tout à l'heure. Tu crois que t'avais pas fini déjà? Ouais, ouais. Ah, tu me diras, ça a l'air moins dark. Voilà, en fait, c'est t'as les réponses, quoi. Ok, bon, allez, on va aller trouver Billy. He achieved something like this in 1944. Those fascists thought tu dois tuer le soldat Billy. Let them kill themselves, thinking there was some kind of afterlife now empirically promised to them. Fools. Poor Alan. He would weep to see what I've built from his dreams. Billy doesn't mean harm. He's a child with a damaged mind. Granted the powers of a god, it would make any of us into a monster. C'est bien, c'est que celui qui a fait toutes les conneries, il est quand même sensé au final, mais il peut plus rien faire. Pas sensé. The corporation's mind, the war just dollar amounts in a ledger. And the profits Project Warrider promised overshadowed whatever pitiful balance a few doctors and patients amounted to. Spread if you don't stop him. The morphogenic engine is self-perpetuating. I pray to God you have the strength to end it here before death. More than anything, I want rest. Billy will not let me die. You could never imagine how cruel this is. I only want to die. Bon, ok, allez, on va aller tuer Billy. J'ai aucune arme pour le tuer, mais on va le tuer. J'ai ma caméra. Bloc B. Peut-être que si tu le filmes suffisamment... Peut-être. Il y a bien un jeu où tu tues les fantômes en prenant photo. Oui, mais l'appareil photo en question est un appareil photo antique avec des pouvoirs spécifiques. Je le dise. Ah, en plus le laboratoire est immense. On va suivre les flèches, hein. Ah. Je veux passer. Il m'a tué. Ah, il m'a tué. Il m'a tué, Billy. Merci, Billy. Ça fait juste longtemps que j'étais pas mort, alors... ça m'a remis un peu à ma place. Je me sentais comme invincible. M'a remis à l'ordre.
Bon. Bon. Juste. En plus, Billy, ça me rappelle le joueur du grenier, quoi. Bravo Billy. L'anecdote de l'enfant bourré. J'aime les... Bon alors, déjà, j'ai remarqué un truc. Croiser Billy nuit gravement à ta vie. Moi, le Wall Rider. Billy tue. Bien sûr que... Oh. Oh la luck, j'ai trouvé un truc dernière seconde. J'ai eu l'œil du Jedi, tu sais. Luc, fais appel à la force. Il est où? Bon aîné! Pringles! Bon aîné Pringles! Bon aîné Pringles! Bon aîné! Vous avez bu, vous avez crié, vous êtes bourré, Pringles! Ouais. Vous avez fait la décompte? Non! Vous avez oublié 2014? Oh oui. Et bien alors. À tous les personnels du consultant MM008, mais Rudolf Wernicke, ne vénérez pas les saints et ne laissez pas les délires des patients influencer vos croyances. Tout autre pensant issu de cette technologie nous sera tellement supérieur qu'il faut s'attendre à des illusions d'ordre divin. L'humanité a depuis toujours observé le chaos pour l'appeler Dieu. Notre pouvoir est aujourd'hui assez important pour qu'une telle croyance nous détruise. Ne vous laissez pas tenter, rappelez-vous, vous êtes des scientifiques. Eh? Ouais. Moi, je veux juste savoir comment tuer Billy! Je veux tuer Billy! Avec un crucifix. Alors, on va finir par voir ça, ouais. Oh putain, je filme ça. Voilà. Noros? L'assembleur, les chambres d'alimentation, les molécules préliminaires, de vagues souvenirs d'articles sur les nanotechnologies que j'ai lues distraitement en ligne, probablement bourré. J'en ai pas retenu assez pour savoir comment la détruire. Hein? Tout ce chantier tourne autour de Billy. Faut le trouver et le buter pour en finir. Billy! Il y a toute cette merde à cause de Billy, quoi. Il y a des problèmes sur Steam ou quoi? Oui. Fermez la vanne. Oh, on va faire un petit film de Billy. Billy! C'est lui, Billy! Il a pas l'air en forme, Billy. Tosenso, ils ont sorti encore un. D'après ses comptes rendus de patients, Billy devait avoir 23 ans, il a l'air d'en avoir 50 et par des années paisibles. On peut voir la souffrance sur chacun de ses traits. Ce serait un acte de charité de le buter. Chambre du moteur morphogénique, calendrier de maintenance. Afin d'éviter tout dommage du patient, la capsule de survie du moteur morphogénique nécessite une inspection quotidienne de l'ensemble des systèmes vitaux. Système vital 1, le perfluorocarbure oxygéné enrichi du réservoir de fluide de maintien en vie doit être continuellement purgé et remplacé pendant toute la durée du traitement du patient. Note, le PO fournit également des anesthésiants et toute interruption ou baisse de débit peut infliger au patient une souffrance susceptible de perturber l'expérience.
Système vital 2. L'alimentation électrique est complétée et assurée par le groupe électrogène du labo souterrain. Le niveau de carburant et la maintenance du groupe électrogène du labo souterrain doivent être vérifiés toutes les heures. Système vital 3. En cas de panne critique des systèmes vitaux 1 et 2, la sécurité de la capsule de survie s'enclenchera et assurera un maintien en vie minimal et local jusqu'à l'arrivée des techniciens. La désactivation de la sécurité entraînerait le décès immédiat du patient. Pauvre Billy, quoi. Bon. Où je trouve la vanne. Je sais qu'ils avaient prévu d'en faire plusieurs en plus. Billy. Mon tuyau il est là. Il va par là. Il est méchant. Oh, alors. Voilà, c'est là-haut, générateur. C'est comme ça que c'est passé. Cool, ils m'ont donné une pile. Évidemment, c'est fermé. Ça a été trop facile. Ah! Merde. Le système de sécurité n'est pas activé. Merde alors. Bon, Billy, arrête de faire des blagues, hein. Là-bas. Fluide réservoir, voilà, c'est ça. Ouais. Bonne année. Bonne année, Pringles. Salut. Ah, toi, t'as 2 années à fêter, mais c'est pas. Être à la deuxième. Toi, t'es encore malade, toi. Un peu. Dossier personnel du docteur Wernicke, Frankenstein ou le Prométhée moderne de Marie Shelley, publié anonymement en 1998, chapitre 4. Pour apprenez sinon par mes préceptes, du moins par mon exemple, combien il est dangereux d'acquérir le savoir et combien est plus heureux l'homme qui croit que sa ville natale est le centre de l'univers et qui n'assure pas à dépasser ses limites naturelles. Ce document n'est pas très utile en formation pour tout savoir. Bon, c'est tout. Tu m'offres un jeu à 25 euros. Comment ça? Il est là! Je prends un jeu à 25 euros et puis là je lui offre le jeu. Oui! Ouais. Billy! On va dire que ça va être comme ça. Ouais. Pourquoi pas? Expérimentation électrique du groupe électrogène du labo souterrain. Alors qu'est-ce que je t'offre? Fly Simulator X! Ouais. Bah c'est 25 euros. Ou plusieurs jeux. Qui fait la totale de... Putain, c'est toujours pas bon. Merde. Oh, va te faire foutre, putain! Merde, va te faire enculer, là! Ça fait une demi-heure que je cherche! Putain! Cherche, alors, chef. Je cherche rien du tout, là. Y'a rien d'indiqué. Rien. Si, ce qui est indiqué, c'est le monstre qui va te péter la gueule, quoi. Ça, c'est indiqué, ça. L'alimentation, hein, le dossier... Ah, faut une main.
Ouais, mais ça sert à rien en fait, la main. Oui, mais si la tienne ne marche pas, celle de quelqu'un d'autre marche. Et vu l'état de la plupart des scientifiques présents dans ce putain de laboratoire, je pense que le fait que tu lui effaces, le fait que tu lui absentes sa main, ça le rend, il s'en bat un peu les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois ce qu'il faut dire. J'ai juste oublié de mettre ma musique de mort. De mettre une mort en plus. Voilà. Sinon, j'achète le Dungeon Defender 2 4 Park. De quoi? Dungeon Defender 2. Ah, Dungeon Defenders. T'as le pack de 4 aussi. Oh, ça va, le pack de 4 à 25 euros. À 68 euros. Ah. C'est vrai que le 2 il peut être intéressant. Mini Phantom le Track! Merde! Seul? C'est 22, 23 ou... Fuir. Oh putain. Là-bas. Attends, là-bas. J'ai regardé dans les jeux là. Bon salut. Qui m'intéresse. Vas-y. Bon salut. Oh, c'est ouvert. Et un marque. Ouais. Channel switched. Allez! Pousse! Putain, il me suit encore, y'a la musique! Y'a la musique! Dégage, Billy! Va-t'en de là, Billy! Allez! Toujours plus haut l'escalier! Toujours plus haut! Trop de discussions, ça te soulève. Hein? Trop de discussions, ça te soulève? Ouais. Oh, trop de discussions, autre que de place, quoi. Ça m'intéresse pas. Allez! Putain! On va pas rentrer après, mais là. En plus, je me concentre, on sait. Ah putain, il est là! Aïe! Ouais, sas! Ouais! Non, Billy! Veuillez trouver ci-joint le formulaire portant autorisation de procéder relatif au patient William Hope du programme caritatif de psychiatrie Murkoff de l'hôpital de Mente Massive. Et les virgules, ça n'existe pas chez eux. Colorado. Il s'agit d'un formulaire standard et toutes les mentions obligatoires ont été signées. Il semble que Billy ignore le récent arrêt cardiaque dont a été victime sa mère. Il se soumet à la thérapie dans l'espoir compréhensible, mais infondé, d'un versement de subside à sa mère et d'une contribution à son église. Berniqueux, qui a lu les comptes rendus des rêves de ce garçon, pense qu'il présente un potentiel thérapeutique considérable. Ouais, en gros, c'est un putain de malade de ouf. Bon. Ah. Ouais. Oui. Désactiver la sécurité de la capsule de survie de Billy. Bon. Alors là, faut revenir là-bas. J'espère qu'il est plus là, l'autre. Ah, il me désaffecte. 10 fois les types. Voilà. Oh, on dirait un nid alien, quoi. Hein? Allez, courage.
plus haut. Oh, il m'a fait descendre plus vite l'escalier, c'est pas grave. Allez, courage. Allez, 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 il est pas là, il est pas là, il est pas là, il est pas là, Billy, il est là. Oui! Haha, je le filme. Billy! Ah! What the fuck? Non, non. Oh putain! Allez! Allez! Non! On est pas censé mourir ce machin! Oh putain, on est dans une attraction! Space Mountain! Oh putain, il est encore vivant quoi. Super Saiyan 10 quoi. Sortez. Nouvel objectif. Sortez. Allez, du courage. Allez. L'hôpital est à 300 km, tu peux le faire. Ça va pas du tout te prendre 10 ans et demi. What the fucking... Pas le droit là. Bon, chers viewers, ça se finit comme ça. Ouais, on va passer à la notation du jeu. Mais honnêtement, on va laisser un peu passer le générique. Il y a peut-être quelque chose à la fin. Bah non, on est mort. Voilà. On passe le générique pour voir qu'est-ce qu'il y a. Ils vont me dire que le mode ultra psychose de la mort est débloqué, mais ça, c'est non. Ok, bon, on va passer au test. Après, la suite dans Outlast 2. Bah, ouais, mais ce sera pas avec lui, hein. Parce que... Non, mais la suite dans Outlast 2. Ouais, il est prévu, l'Outlast 2. Alors, donc, clairement, j'avais critiqué la fin d'Alien Isolation à l'époque. Tiens, je crois que le jeu a planté, je peux pas revenir en arrière. Ah, connard de jeu. Il va me faire chier jusqu'au bout. Ah, aucune réponse du jeu. C'est pas grave, de toute façon il est fini. Allez, hop, basta. Casse-toi le jeu. Oui, allez, on a compris le jeu, c'est bon. Voilà. Bon, alors, chers viewers.
Alors, si vous avez un avis, dites-le sur ce jeu. En tout cas, moi, la fin m'a complètement refroidi. Même si le jeu est très bon. Mais ouais, la fin. Tant la fin d'Alien Isolation, bon, on s'attend à quelque chose, soit une suite ou quoi que ce soit, ok. Même si la fin aussi est un peu brutale. Et là. Bon. Alors, du coup, honnêtement, je vais être méchant. Mais sur le scénario, je mettrai pas 5, je mettrai 4. Putain. Je vais mettre 4, 4 étoiles pour le scénario, au lieu de 5, c'est sur 5, hein, on est d'accord. Juste parce que la fin m'a complètement déçu, quoi. Alors vraiment, j'aimais bien jusqu'à débrancher Billy, puis alors après se faire mitrailler par l'armée, ils se sauvent même pas, il y a les... On s'attendait à ce que la caméra soit vue du monde entier, qu'il se passe un truc, et puis en fait, bah... On en reste un peu sur sa fin, finalement, hein. On va dire que pour le gameplay... oui, c'est assez intuitif quand même. Je vais lui mettre 5 étoiles comme Alien Isolation. Parce que c'est quand même assez. La prise en main est bonne. Après, il y a moyen de fuir, il y a moyen de faire plein de choses qu'on peut pas dans d'autres jeux. Là, franchement, ouais, c'est. Non, c'est assez fluide, assez facile à prendre en main. Il n'y a pas trop de difficultés à ça. Ce qui est difficile, c'est les décisions qu'on prend, où on se planque, etc. Pour la durée de vie, j'avais mis 5 étoiles pour Alien Isolation au vu des 20-25 heures de jeu. Celui-là, je l'ai fini en 7h et 46 minutes. Donc, autant vous dire que je lui mets... Au fait, Julien, oui. Tu le finis en moins de 10 heures. Oui. Je sais. Je lui dirai. Non, mais t'inquiète pas, je lui dirai. Je lui demanderai de regarder le replay et de regarder la fin. Durée de vie, je mets 3 étoiles sur 5 parce que finalement, c'est court. Alors... C'est court au niveau du... Je parle du jeu de l'histoire. Voilà. Parce qu'après, effectivement, on a bon, les hauts faits à faire, comme dans tous les jeux de maintenant. On a aussi le mode... bon, j'étais en normal. Hein. Voilà, il y a difficile, il y a cauchemar, il y a psychose. Voilà, il y a des défis à faire. Mais je veux dire qu'au niveau du scénario de base, je mets que 3 étoiles sur 5 en durée de vie, parce que on prend l'isolation en normal, qui est son équivalent, même s'il est plus récent. Il a 25 heures de jeu. Donc voilà, là, ça c'est un peu refroidissant. Mais il n'empêche que après voilà, c'était quand même dans le général, je vais rattraper le coup quand même. La bande son par contre, clairement là, il prend 5 étoiles parce que franchement, on est oppressé de bout en bout. Il y a des bruits partout, il y a des c'est vraiment angoissant, c'est bien fait. Il n'y a pas de souci, 5 étoiles, alors là, sans problème. Alors comme je dis, ce test là, c'est mon avis à moi, mon ressenti après le jeu, c'est pas je me prétends pas tester machin, mais je me donne ma propre avis et ma propre note. Pour les graphismes, c'est beau, il n'y a pas de souci. Il prend 5. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'elle est ma truc graphique là? Oh. Oh, que j'aime les bugs. Oh, je t'adore les bugs. Ah. Ah bah. Allez, mais oh, voilà. Graphisme, je lui ai 5 parce que c'est un jeu de l'année dernière, 2013. Et il est très beau, franchement. Il y a 2 ans. Il y a deux ans. Oui, un an et demi. Ouais. On va grappiller sur les mots comme au CP. Un an et demi. Et il est très beau, il n'y a pas de souci. Voilà, le basil est très bien foutu. On passe quand même dans plusieurs endroits. Donc, voilà, on passe dans les égouts, dans les prisons, dans les trucs, dans les cuisines, dans les machins. Et tout est bien fait, tout est bien réalisé. Surtout le côté sombre avec la caméra nocturne qui est très très bien faite. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Et après aussi le passage de filmer et tout, c'est marrant en fait, c'est un bon concept. Et après les monstres et tout ça, bon bah, ils sont bien foutus, ils sont bien amochés. Bon, tout est présent, le jeu est bien fait graphiquement. Et bon, en général par contre, du coup, bon, je peux pas mettre 5, je vais mettre 4 étoiles sur 5. 4, j'ai dit, voilà. Putain, décidément, mais je sais pas si c'est pas ma souris qui déconne. Voilà, 4 sur 5. Bon, je voudrais mettre 4,5 en fait, mais j'arrive pas à faire une demi-étoile. Donc je fais. Et on va faire un slash. Comment je vais faire ça? 4,5. On va faire. J'ai pas encore la déconne demi-étoile. 4,5 sur 5, parce que c'est quand même un très bon jeu. C'était. Il joue son rôle. Son rôle d'horreur, son rôle de stress, son rôle d'angoisse, son rôle de sursaut. Il est très bon. Hein. J'avais entendu qu'il était très bon, et je le dis, il est très bon. Voilà, après, bon, le scénario, j'ai mis 4 juste pour la fin, parce que ça m'a refroidi, mais sinon, il mérite quand même un très beau clin d'œil, parce que l'histoire, elle est quand même très solide, même si c'est très glauque, c'est très solide.
Et la durée de vie, j'ai mis 3, je répète, parce que bon, voilà, moins de 10 heures. Mais sinon, très bon jeu, et je conseille à tout le monde de le faire. Même si ça paraît dur à jouer, même si c'est difficile à jouer, à s'y mettre en tout cas, au final, c'est sympa parce qu'on a des sensations, on a du stress, on a tout ça. Voilà. Alors après, effectivement, j'ai pas mal fait le rapprochement avec Alien Isolation, on le sait. Dans Alien Isolation et ce jeu-là, parce que souvent ils sont comparés, or moi je pense qu'il n'y a pas trop de comparaison, notamment on dit toujours l'un est meilleur que l'autre pour la peur, etc. Outlast est très, on va dire, fait sursauter, donne envie de vomir parfois. Il est vraiment horreur dans le sens horreur dégueulasse, quoi. Horreur, horreur psychopathe, enfin. Peur. C'est une branche de l'horreur pure, Outlast, et là, Alien Isolation est une autre branche pure. C'est-à-dire qu'Alien Isolation, c'est de l'angoisse en permanence. Voilà, c'est complètement différent. Et les deux jeux jouent leur rôle, et donc forcément. Voilà. Bon, après, si on doit me demander lequel j'ai préféré des deux, bon, je dirais Alien Isolation, sans aucune hésitation, mais bon. Au-delà de ça, Outlast m'a pas déçu du tout et je vous le conseille. Et franchement, essayez de le faire. C'est dur, ça. Voilà, on voit les gens stressés quand ils y jouent, mais au final, voilà, c'est ça, Gravital, c'est malsain. C'est exactement ça. C'est un jeu malsain. Ils nous préviennent dès le départ, donc on sait à quoi s'attendre. Et franchement, ils sont dans leur thème de A à Z, sans aucun problème. C'est cool, je dois. Mais si tu en chies tout le jeu et que à la fin tu ne t'en sors pas, merci bien. Ouais, effectivement, ouais, c'est. Ouais, bah. Alors, là où Outlast, tu vois bien que le héros il meurt complètement. Et quand j'avais fait l'isolation, la fin c'est un peu pareil, je vais pas la spoil parce qu'il y a Clicard qui le fait en cauchemar actuellement. Donc ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez en profiter pour voir le jeu comment il est, dans son let's play. Mais la fin est un peu similaire, sauf que eux ils ont réussi à ouvrir sur un 2 clairement. Outlast 2 va être fait aussi, mais on sait très bien qu'on jouera. Une autre histoire, peut-être une autre, un autre labo d'expérience ou voilà, quelque chose comme ça, sûrement. Je pense pas que ça se repassera dans cet asile-là, puisqu'on l'a vu de A à Z, cet asile, donc on est passé partout, je pense pas. Mais au final, voilà, ben, je vous le conseille quand même, voilà, franchement. Ben ouais, Zeoreus, vous avez pensé quoi, vous, du jeu ? Bah, comment. Je sais pas, vas-y, Zeoreus, parle, moi je parlerai après. Ah, je sais pas, il a pas l'air d'être là, Aureus. Il a l'air d'être là. Ouais, il se prépare pour son live. Personnellement, j'ai pas regardé la fin parce que oui, je suis sur le live, mais j'ai passé toute la soirée avec l'écran un petit peu baissé pour pas trop voir le live parce que j'avais pas envie de me prendre un screamer dans la gueule. Mais en tout cas, ouais, ça pouvait être sympa. Moi, après, c'est pas forcément mon style de jeu. Ouais, c'était. Ouais, bah c'est spécial, hein. C'est très ouais. Spécial. Donc, voilà. Mais bon, au-delà de ça, bon, moi je pense que le 4,5 lui va bien. Mais bon, après, c'est personnel. Oui. Hein. C'est personnel. Comme je dis, je mets pas le 5 sur 5 parce que je l'ai mis à Alien Isolation et que je trouve qu'il est au-dessus. Après, il est plus récent, donc forcément, hein, ça y fait. L'isolation est sortie un an après, donc ça y fait. Donc, c'est pour ça que je laisse la notation comme ça. Mais il n'empêche que. C'est malsain, c'est tout ce qu'on veut, mais peut-être c'est l'envie de se faire du mal, je sais pas. Mais il me tente quand même le 2. Voilà, parce que le 2, ils vont sûrement améliorer beaucoup de choses. Ils vont sûrement. Déjà, ouais. Graphiquement, il était très beau, mais s'il sort en 2015 ou 2016, il va être encore plus que beau. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Et ce jeu, je pense qu'il doit être très sympa avec l'Oculus Rift aussi. Je dirais qu'avec l'Oculus Rift, tu dois vraiment te faire peur, mais bien comme il faut. Je doute pas du tout une seule seconde là-dessus. Et Gravital qui avait pitié pour le mec, ouais, bah moi aussi finalement j'avais un peu pitié pour lui, quoi. Déjà, à partir du moment où il se fait. Bon, je sais pas si tu l'as peut-être pas vu ça. Et non, on voit qu'il manque deux doigts pendant le jeu, forcément, ils ont été coupés et on l'a bien vu, hein, le passage où il se fait couper les doigts en plus. Et déjà à partir de là, c'est pas évident. Finalement à la fin, tu te dis il va s'en sortir et au final il se fait à moitié poutrer. Il arrive encore à se relever, il est quand même résistant, et au final, tout ça pour se finir criblé de balles. C'est vrai que c'est un martyr, en fait. Ce personnage était un gros martyr, tout comme l'a été le père Martin à la fin, tout comme Billy, apparemment. Et apparemment, d'après ce qu'il disait, comme Billy est mort, c'est lui qui aurait récupéré le Wallrinder, vu qu'il a assisté à beaucoup d'horreurs, etc., etc. C'est pour ça que c'était intéressant de lire les documents aussi du jeu. Parce qu'à la fin, on se rend compte que
Il disait dans un des documents que le Wall Rider apparaissait que si tu avais assisté à énormément d'horreurs et que tu étais capable de garder ta lucidité. C'est un peu ce qui lui était arrivé à ce héros, parce qu'à la fin il était encore lucide et finalement bah, c'est lui qui a été infecté qui avait le pouvoir. C'est pour ça qu'ils l'ont tué en fait. Donc voilà. C'est parti d'une espèce de culte satanique au début du jeu. Finalement, en fait, c'était des expériences. Bon, enfin, c'était. Ouais, c'est pas mal quoi. On a des rebondissements, on a pas mal de trucs, ouais. C'était sympa. Voilà, voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est. Dans un premier temps, on va vous montrer vite fait la. Une des premières vidéos spéciales Orbital Colossus. Mais je sais pas où elle est. Où je l'ai mise. Coucou, vidéo! Ça va être par là. Voilà, qui sera, elle, pour les tournois StarCraft. Enfin, tournois StarCraft et jeux StarCraft, StarCraft tout court. Sauf que le problème, c'est que je vous parle de ça, mais, je la vois pas. Où est-ce que je l'ai foutu? Ça, c'est pas ça. Et elle doit... Elle est là. Voilà. On va vous la mettre. Voilà, alors là je sais pas dans quelle scène je me suis foutu. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Je me suis trompé de scène! Voilà, donc ça c'est la nouvelle vidéo d'introduction qui est faite par.